Mais Diva, je vous dis que l'affaire ci est sérieuse. Depuis on parle, les gens croient que c'est la blague. Oh, Indira Baboké et KS Bloom là, non. Les deux, s'ils vont se marier, on va seulement constater. Une fois de plus, un couple Côte d'Ivoire-Cameroun. Maman, on espère que ça va marcher comme pour notre papa Eto. Ah, le 9. Avec maman Georgette. En tout cas, KS Bloom et Indira, oh, c'est le ton pied, mon pied à l'heure. Si vous allez me sortir que oh, ils font les featuring, les chansons ensemble, patati patata. N'est-ce pas, voici notre soeur qui commence déjà à faire les prières pour son futur mari. Vous croyez que les prières là, c'est pour qui? Ce n'est pas pour KS Bloom. En tout cas, venez m'expliquer ça bien en commentaire, qu'on comprenne bien ce qui se passe entre les deux là. Si c'est toujours seulement pour le buzz là, ou seulement pour la chanson, pour les featuring et consorts, ou c'est autre chose. Parce que là, il commence à avoir un peu des petites étincelles par-ci, par-là. Là. Les signaux sont là. J'avais seulement vu les présentations des bagos, juste qu'il y avait les problèmes avec les Diana Boulay. Donc maintenant, on attend seulement l'annonce officielle, claire et précise. Oh, précis d'un futur mariage. Parce qu'on commence à faire les prières pour les futurs maris, là. Il est évident que un mariage se prépare quelque part. Ou bien, sur ce, je vous laisse mes divas. On se prend en commentaire. Ciao, ciao.